Carlo at the Grimaldi Forum, and today is the big opening that we have for Art Monaco. Monaco? The Art Monaco, and it's the fourth edition. We are very proud to present a new platform in Grimaldi Forum, and I hope you guys enjoy it. A little bit more than 75 exhibitors coming from pretty much 32 countries. And crisis, well, yes, it's true, the world is passing through a crisis, but art is the opportunity to express a meaning, a feeling, and it's looking for collectors to actually try to connect, and that's what art means. You know, that's a big statement, but I do believe that through art, we could actually make friends. As I say, not fix the world, but just create a friendship amongst even a cultural, you know? It's just a pacific way to make a statement. I always think, and I always say, that if people were investing in arms and drugs, well, investing in art, we would be much safer. What do you think about that? I guess it's a better, nicer, healthier, and wealthier addiction. Ça représente ce genre de travail là, c'est tout à fait incroyable. Qu'est-ce qu'on ressentirait sur la première émotion de la lumière, de la vibration, de la couleur de... Ah, c'est pas beau. Passion for art, because I think that's the most ultimate way of expression that we human beings have, and the most fascinating. I mean, come on, you need to see the guy, he takes tape and he goes like clack, 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 with a little cutter, and there comes the art, and there you go, this is on tape, a little bit of backlight. Antonio Moravito. Dove siamo, Antonio Moravito? Siamo a Monaco, il luogo, il centro dell'arte, della... un luogo globale dove tutto avviene. Et nous sommes à Monaco, à l'exposition à Monaco, qui est superbe. Je suis preneur. C'est la première fois que j'expose à Monaco et je suis ravi d'être ici. Quand j'ai commencé dans les écoles élémentaires, il y avait des craies sur les tables noires. Et j'ai commencé à sculpter avec des aiguilles et des craies. Pour le moment, je change très souvent de style et je peins plus abstrait. Je m'inspire des marbres que je regarde, je vois partout toujours des personnages. C'est un tableau, c'est la pécheresse. Et alors, il y a des pécheresses, alors j'en ai fait d'autres tableaux. Pécheresse avec poule. Il y a un poule à côté avec des poissons. Il y en a, ils sont pas là, ils sont à Paris. Vous savez, ici, on a un petit stand, où je ne peux pas exposer plus de petits tableaux. Alors, on a essayé d'amener des tableaux un peu différents et différents. Ça, c'est de... un genre de moulage. Moulage, oui. Couleurs différentes, c'est on m'a fait en Chine. J'ai fait une exposition à Pékin et c'était fabriqué en Chine. Où sommes-nous aujourd'hui, Bruce? À Monaco. Où ça, à Monaco? Art Monaco 13, au Grimaldi Forum à l'espace Diaghilev. C'est du métal, ouais. Ok. Il y a tout un cheminement sur ce métal. Très souvent, c'est un métal de récupération. On lui donne une deuxième vie, on va le travailler, et puis on va arriver à une forme, à quelque chose. Cette œuvre-là, elle est complètement différente. Est-ce que vous lui parlez? J'aimerais énormément lui parler. Mais... est-ce une femme, est-ce un garçon, est-ce un esprit? Peut-être un esprit. Elle est dans cet esprit. C'est une compression qui a été écrasée. Le métal a été amené de façon très spontanée à ça.
Et puis après, on le voit comme on sent. C'est un radiateur de camion, de camionnette, qui a été donc écrasé. Et le travail est venu et on l'a glancé en inox, on est en fond d'inox, etc. Et je pense qu'il a quelque chose maintenant qui n'est plus du tout du camion. Je vois la crise et vente panique sur les marchés. Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, on va faire un veau d'or et il va s'appeler vente panique. Ça, ce sont des fils de grilles industrielles qui ont été compressés, écrasés, et petit à petit on a redémembré les choses et on a construit le veau d'or. Very brave person. She is competing very. She's a woman and I love it. Woman power. Yes. My name is Nina Torres. And where are we today, Nina? Well, I'm fantastic. One, because to come to Monaco with all this collection from artists from Latin America and from Europe is great. Yesterday I was surprised. We have a lot of collectors that they were interested in many artworks. I was very surprised, especially from the artists from Venezuela, Argentina, Mexico. The price range is from $6,000 to $200,000. My name is Tina Ezema. I'm from Nigeria. We're at Art Monaco at the Madi Forum. My gallery is showcasing the trials and triumph of the African girl. I started photography 4 years ago, but within this time, like in 2 years time, 2 years ago, I feel that it's not just mapping beautiful women and all that is better to, you know, tell a story with these pictures. My work is not just about selling or making money, just to, if only one person can understand what they are going through, and if I can use it to help only one person, I've achieved my aim. The woman later got pregnant, although the doctor warned her not to get pregnant because it's dangerous for her health. And because she wanted to please her husband, she got pregnant again, have the baby boy, but she died. I'm from Nigeria, Niger Delta. My art is basically, I express myself, especially about my people where I live, the Niger Delta. The title of the body of work is My Niger Delta, the sacrifices we have made, and it's the peace we have today in Niger Delta. That is the body of work. The Niger Delta struggle, we have those at the forefront. For example, the great leader you're seeing here, he's called Major Jasper Dakaboro. He's one of the leaders of the first people, the first person that started the armed struggle, brought his work, the body of work, to France, to Monaco, for the world to see. There are so many stories that you see, you hear through medias, or you read, that are not really the real, the true thing. This is stark truth, the stark reality. Ijoya.